Bon, Charlotte, bonjour. Bonjour, Sam. Sonia, bonjour. Bonjour, Sam. Pour la première fois, pour la première saison avec vous. Oui, une grande première. Grande première, un plaisir de vous recevoir ici, dans le grand salon de l'hôtel Negresco à Nice. On a passé des très bons moments ici, ça nous rappelle des très bons souvenirs, donc on en est content de revenir et cette salle nous a été très gentiment prêtée par la direction et donc on va démarrer notre nouvelle saison à partir de ce même endroit mythique. Voilà. Allons-y. Alors on va commencer par une affaire Huggies.fr qui date du mois de mars dernier. On a trouvé que cette décision était intéressante parce qu'elle permet de mettre l'accent en fait sur l'absence de stratégie de certains propriétaires de marques et de noms de domaines, justement en matière de noms de domaines. On a le nom de domaine Huggies.fr qui a été réservé en juin 2005. Alors Huggies, tout le monde connaît, c'est une marque qui est réputée dans le domaine des couches culottes et autres produits pour bébés, des lingettes et autres choses comme ça. Et la société française qui a réservé Huggies.fr utilise le nom de domaine pour un site web qui propose le même type de produits que ceux qui sont vendus sous la marque Huggies par la société Kimberly-Clark, à savoir des couches culottes, des produits pour bébés d'une manière générale. Évidemment, Kimberly-Clark engage une action, une plainte contre la société française qui a réservé ce nom de domaine. Et ce qui est évident, c'est que le nom de domaine est transféré au profit de Kimberly-Clark puisque la marque est reprise à l'identique. Elle est exploitée via un site internet pour des activités qui sont proches de la marque. Marque qui, en plus, est notoire. Et en plus, le défendeur a déjà été condamné à plusieurs reprises pour d'autres problématiques de nom de domaine. Il a déjà été considéré comme cybersquatter. Donc finalement, très logiquement, le nom de domaine est transféré à Kimberly-Clark. Là où cette décision est intéressante, c'est qu'elle montre quand même qu'il y a peu de stratégies de nom de domaine, même dans les grosses sociétés, dans les grands groupes, puisque là, en l'occurrence, le nom de domaine a été réservé en 2005 par un tiers. Donc on est surpris que Kimberly-Clark n'ait pas réservé le nom de domaine avant, puisqu'ils avaient réservé le .com en 96, le .org je crois en 2002, et par contre le .fr non, il a été oublié, laissé de côté, alors que ça fait quand même un certain temps que la marque Huggies est exploitée en France. Donc pourquoi est-ce que ce nom de domaine n'a pas été réservé avant? Là est la question. L'idée c'est vraiment quand on a une marque importante, c'est quand même notoire celle-ci je pense, il faut réserver immédiatement avec les extensions qui concernent les pays d'exploitation. En l'occurrence, quand on a une commercialisation en France, il faut réserver le .fr, c'est sûr. La deuxième chose au niveau de la stratégie, c'est que le nom de domaine en question avait été réservé en 2005 et la plainte n'est déposée qu'en 2008. Je trouve que le délai est quand même assez long, donc on se demande si aussi il y a une stratégie de surveillance de ce nom de domaine. Et puis il faut dire aussi une chose, je veux préciser pour tous ceux qui nous écoutent, c'est que ceux qui ne se sont pas reconnus, c'est-à-dire qui n'ont pas pu reconnaître la marque Huggies, ils ne doivent pas être inquiets parce que tant que vous n'avez pas eu d'enfant, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Voilà, ça aussi. Il y a quand même beaucoup de publicité à la télévision sur cette marque-là, sur ces produits. Mais on zappe, hein. Quand ça ne consomme pas, on zappe. Donc quand on n'en a pas eu. Après, on connaît plein de marques, comme par hasard, des marques. Amusant, hein. Ouais, mais avant, non, pas du tout. Donc voilà. Je suis parmi ceux qui sont passés de l'étape 1 à l'étape 2, avec une très bonne surprise bien sûr. Et voilà, je pense que tout le monde a dû faire à peu près le même circuit. C'est possible. Très bien, autre chose Sonia sur ce... Non, ça devrait être clair. Donc ayez une stratégie, nom de domaine. Dommage, oui c'est clair. Non, mais c'est... Je pense qu'il y a encore pas mal d'entreprises qui sont dans cette situation-là, c'est qu'elles pensent que le fait d'obtenir ou d'avoir une marque certains noms de domaine leur soient transférés de plein droit, ça leur donne une sorte de, je dirais, d'aisance en disant bon ben voilà maintenant pas la peine d'aller chercher. Et puis, C'est sûr, c'est certain que là finalement Kimberly-Clark n'a pas eu de problème pour récupérer son nom de domaine. Le problème c'est que malgré tout ça engage des frais plus importants qu'une simple réservation et des renouvellements, parce qu'engager une plainte c'est du travail, c'est du temps et c'est des frais bien évidemment. Et au final de toute façon, si on fait un calcul général de l'ensemble, il aurait peut-être mieux valu avoir une personne ou deux, ou en tout cas un bureau d'enregistrement qui leur conseille est-ce que, leur pose de bonnes questions pour qu'au final on trouve les bonnes réponses. Bien sûr. Et puis commercialement, c'est intéressant d'avoir un nom de domaine en .fr quand on a une exploitation en France. Donc. Merci beaucoup. Alors à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci.